Récemment, Charles III a pris une décision drastique, celle de retirer l'accès à la demeure de Frogmore Cottage aux princes Harry et Meghan Markle. Un choix qui est probablement lié aux récentes révélations qu'a faites son fils cadet dans ses mémoires, le suppléant. Mais voilà, comme l'a souligné le Daily Beast, ce vendredi 3 mars, il n'est pas le seul à estimer que cette interdiction est une bonne décision. D'après les révélations partagées par un ami du roi et de la famille royale, le prince William aurait appuyé la décision de son père. Charles ne prend pas ses décisions de manière isolée. Il a le soutien de son fils et héritier et travaille en partenariat avec lui. Il forme une unité et sont plus proches que jamais, a fait savoir la source. Une décision faite en partenariat avec le prince héritier mais qui risque profondément de faire réagir le prince Harry qui réside outre-Atlantique. Supérieur à prince Harry, William. Et même Albert de Monaco, ils ont craqué pour une célébrité. Une décision critiquée par certains membres de la famille si le roi Charles III a reçu le soutien indéfectible de son fils aîné, lorsqu'il a décidé d'expulser Harry et Meghan de Frogmore Cottage, il n'a cependant fait des ravis. Pour cause, comme l'a précisé le Sun, le 28 février dernier, deux membres de la firme n'ont pas été très contentes quand la nouvelle est tombée. À savoir, les princesses Eugénie et Béatrice qui auraient été consternées par cette expulsion. Tout cela semble très définitif et apparaît comme une punition cruelle, a ensuite examiné l'expert en tête couronnée, Omi de Scoby, dans un article publié sur Yahoo News. Si est comme si, la famille, voulait les rayer du tableau pour de bon. Un tout nouveau scandale qui se déroule quelques mois seulement avant son couronnement, prévu le 6 mai prochain. Crédit photo, Backgrid UK. I have a